Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Questions Direct. Notre invité ce soir, Michael Leck. Bonsoir. Bonsoir, Eddy Planté. Bonsoir, bienvenue surtout sur ATV. Merci de m'avoir invité. Surtout. la dernière fois que vous étiez invité ici même, vous étiez remonté contre la municipalité de Mornalo aujourd'hui à l'échéance de la présidentielle et de la législative. Quelle est votre position aujourd'hui Je suis toujours remonté contre la municipalité de Mornalo, ça c'est clair. Avec ce qui se passe dans notre ville, c'est un petit peu compliqué. Euh, là actuellement, je je m'oriente vers vers comment s'appelle vers un objectif qui est un petit peu plus un peu plus élaboré dans oui. lequel je pourrais avoir je pourrais avoir une position claire pour pouvoir dire le message que j'ai à passer sur la sur ma commune et aussi sur le territoire national oui. parce que je me présente au, au législatives. Ah oui. Oui, effectivement. Vous allez aux législatives, Michel Leque. Oui. C'est oui. 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 quelque chose que j'ai réfléchi depuis fort longtemps. Oui. Comme non. vous aviez réfléchi à l'époque euh, d'être candidat à la au municipal de Montnalo. Bien sûr, effectivement, oui. ça devait être la première étape. La première oui. étape n'a pas fonctionné à la vitesse à laquelle je l'estimais. Oui. Donc on ne va pas perdre de temps, on va passer tout de suite à la deuxième. Oui. Il faut que des jeunes comme moi, qui sont déterminés, qui ont envie de faire changer les choses, puissent le faire. Avec donc. quel mouvement euh, avez Vous, on sait que vous faites partie d'Ambition euh, Guadeloupe, ce mouvement politique, oui, euh, qui vous soutiendra pour, pour cette échéance Oui, oui. Je, je ferai campagne directement avec Ambition Guadeloupe. Oui. Que devient Ambition Guadeloupe depuis euh, la présidente a disparu, on a eu le sentiment que voilà, vous, le mouvement est mort et intérêt. Ah non, 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 le mouvement n'est pas mort du tout. Le mouvement a, simple, a simplement pris le temps oui. de, de réfléchir à tout ce qui s'était passé. On va pas il s'est simple... passé beaucoup de choses, oh là là. visiblement. Oui, oui, effectivement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il s'est passé des choses extrêmement graves. Oui. Donc c'est pour cela qu'il qu y a eu un, un bouleversement dans, dans la présidence. Nous avons repris les choses, oui. nous avons réglé les situations qui, qui méritaient d'être. Le problème, c'était la présidente en grande, en grande partie, oui, oui effectivement. Et euh, je tiens à remercier euh, surtout monsieur Leclerc qui a, qui, a, qui a fait les choses correctement et qui a repris euh, à bras-le-corps euh, ce... Ce, ce parti on a le sentiment créé. à un moment donné que Mélina Semo était pratiquement le fer de lance du mouvement Ambition Guadeloupe. Ça a été le gros problème justement, parce qu'Ambition Guadeloupe, ce n'est pas une personne, c'est une multitude de personnes qui, qui donnent leurs compétences et leurs leur convictions pour faire évoluer le pays oui. et développer une idée nouvelle, simplement. Mais euh, l'idée qu'elle avait d'Ambition Guadeloupe n'était pas du tout la bonne, et ce n'était pas celle qu'on qu qu recherchait. Donc vous partez ainsi à l'aventure dans la deuxième circonscription de Guadeloupe, dans cette élection, c'est un peu une aventure. Ah, non, 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 ouais. pas du tout. Je ne fais rien, rien du tout euh, oui. comme ça. Tout ce que je fais est complètement réfléchi et mûrement réfléchi. Je serai sur la première circonscription. Donc, Mornalot, Abîme, Pointe-à-Pitre et Marais-Galante. Tout ce que je fais est réfléchi. avec, avec ça quel fait... soutien avec le soutien directement d'Ambition Guadeloupe oui. et tout, toutes les personnes qui... qui Ambition contribuent. Guadeloupe qui n'existe pratiquement pas en Guadeloupe aujourd'hui. Vous aurez oui. l'occasion de, de, pouvoir, de pouvoir le voir. Et c'est ça qui vous donne cette force justement euh, de soutenir Ramayad à la présidentielle. Oui, oui je soutiens ouvertement Ramayad à, à la présidentielle parce que j'estime que c'est la, la seule candidate qui, qui, est, hum. qui est différente des autres. Différente en quoi Différente dans sa façon de faire, hum. dans sa façon de, de, de penser et dans, sa, dans, dans ses proches surtout. Oui. On voit que tous les autres candidats sont euh, uniquement, euh, ils viennent tous de la même famille. Ce sont, ils ont quasiment tous les mêmes soutiens. On, il faut, ils sont... euh, Ramayad, à un moment donné, faisait partie de cette famille politique euh, aussi sait... au niveau national. Oui, oui, on peut dire qu'elle n'a elle pas fait, vraiment fait partie de cette oui. famille. Elle s'est incrustée. Comme elle l'a dit, elle s'est imposée, elle oui. imposée dans, dans, dans cette équipe et quand ça ne lui a pas plu, elle a pu le dire très clairement, comme M. Kadhafi quand il est venu, elle a dit très clairement oui. qu'elle ne voulait pas qu'il qu qu représente, qu représente son pays en France. Elle l'a dit le week-end dernier, sa candidature, c'est un peu la candidature anti-Le Pen. Vous partagez justement cette position c'est elle qui l'a dit, qu a dit ouais. une candidature à Le Pen. Moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je vois plutôt que c'est une candidature pour, pour passer un message nouveau et que ce pays, en a besoin, a besoin de, de, de nouveaux éléments et de nouvelles visions. Mmh. Parce qu'on va droit dans le mur à la vitesse où on y est. On a du mal, malgré tout, euh, Michael Leck, à vous, à vous cerner politiquement. Pardonnez-moi. Euh, ben, c'est simple. Hein. Vous, êtes, vous êtes un, un centriste, un homme de gauche, un homme de droite. Mais ça n'existe plus, cette histoire oui, de centre Oui, C'est facile aujourd'hui. Oui, c'est facile aujourd'hui. C'est facile aujourd'hui. Il, vous faut, avez, il faut vous avez une sensibilité. Avez, euh, oui, la oui. sensibilité que j'ai, c'est simplement c'est de faire évoluer les choses. Oui. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire Je fais un petit aparté, c'est rapide. L'histoire de droite et gauche. Au moment de la Révolution en 1789, oui. il y avait le roi qui a fait qui a fait venir tout le monde donc, fait un il y a, coup très rapidement. Allez, allez, il y a <laughs> qui a fait venir tout le monde. Donc il y avait les, les sans culottes, tous ceux oui. qui, qui, qui étaient dans les champs et, et, euh, et la bourgeoisie. Ceux qui étaient du, du peuple, ils se sont mis à gauche. Ceux qui étaient de la bourgeoisie, se sont mis à droite. C'est tout simplement pour ça qu'on dit droite oui. et gauche. Je viens du peuple, je oui. suis pas un bourgeois. Ramayad, en tout cas, qualifie sa candidature aussi de, 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 de représenter les, les centristes. Oui. oui. Moi, je, moi, je pense qu'elle représente la, la, la globalité de la France. À l'heure actuelle, il n'y a pas une question de droite, de gauche ni de centre. C'est la globalité de la France. Ceux qui veulent intégrer ce, ce mouvement, ils sont les bienvenus. Ils sont les Mais quel, justement, vous êtes arrivé il y a quelques années oui. avec euh, voilà un discours nouveau, en disant voilà c'est un jeune qui vient de l'avant. Ce discours finalement, il n'a pas été entendu par la population. Mon alien déjà dans un premier non. temps. Non, il n'a pas été comment, entendu. Comment, comment vous l'expliquez Pourquoi ça Parce que je pense qu'il y a eu un, un souci qui s'est passé parce que je suis oui. arrivé justement avec ce message clair et qu'une détermination sans, sans égale. Euh, Est-ce coup... que le message n'était pas un décalage non, aussi je par, me... par, par, avec les attentes de la population Ah non Vous, ça, vous, ça, ça vous avez focalisé vos attaques sur le maire, sur le maire de Montlalot, euh, tous les jours, tous les jours. Ce n'est pas passé. Non, effectivement, ce n'est pas passé. Mm -hmm. Ce n'est pas passé. Pourquoi Parce que ça n'a pas été euh, euh, jusqu'à jusqu sa conclusion. Oui. Les gens attendaient tous que, ce qui se passe et jusqu'à maintenant, Mais ils étaient vous, attendent... vous étiez seuls aussi, vous étiez isolés, euh, Michael. Que... Oui, mais ben, quand ouais. on arrive en, en politique, on n'a pas encore euh, fait. Euh, C'était en 2013 quand mm. même. Hein, on arrive en politique, on est jeune, euh, on n'a on a pas encore fait. Euh, on n'a pas encore beaucoup d'amis qui nous entourent. Donc c'est pour cela que j'étais seul, mais j'ai pu faire avancer la bac correctement. Aujourd'hui, c'est l'occasion encore de parler encore plus fort à Montalo, par exemple. Ça... On sait que euh, la, la, la majorité municipale a évolué, puisque ceux qui étaient dans l'opposition sont aujourd'hui au sein de la majorité. Euh, oui, c'est oui, un C'est en... un manger cochon, ce truc-là. Ouais. En, en parlant ça. correctement, <laughs> c'est un manger cochon. C'est n'importe quoi, il se moque clairement de la population, ouais. et ça me montre encore plus que j'ai raison de faire ce que je fais, comme quand j'ai en envoyé le maire au Conseil d'État. Mais malheureusement, comme je n'ai pas pris d'avocat, ouais. je l'ai fait tout seul quand même au Conseil d'État, sachant que c'est une structure qui évalue chacun des dossiers. J'ai euh, fait une erreur dans la rédaction du dossier. J'ai attaqué Monsieur Philipson francfort au oui. lieu d'attaquer le maire de Mornalot. C'est simplement pour ça que j'ai perdu. Et je vous dis ce que quand les choses vont, selon vous, vont mieux à Mornalot Pas du non, tout. Pas, pas du pas tout. tout. J'ai dénoncé plein de choses à Mornalot, des vols, des escroqueries, tout ça, la commune et la commune. Est, pour moi, c'est une commune qui est, qui est limite à l'abandon. Oui. Les gens se, 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 se gavent, de, se, prennent l'argent qu'ils peuvent pour le moment et ils laissent la commune telle qu'elle est. Donc c'est l'occasion pour vous à l'occasion de cette élections législatives dans mmh. la première circonscription de, de tester votre électorat, déjà si vous en avez bien sûr oui ce sera la première fois que je me présente oui. réellement parce que d'habitude enfin la dernière fois je me suis j'ai fait une pré-campagne j'étais oui. arrêté en, en, euh, en cours de route vous avez fait des quatre par trois oui souviens, oui, euh, oui. Que... ça m'a coûté oui. <laughs> vraiment cher oui. justement j'ai été arrêté en gros de route, j'ai perdu mon travail parce qu'on m'a licencié le lendemain des deuxièmes tours des élections. Mmh. C'est des choses comme ça, ça forge et ça donne encore plus de détermination. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, je suis déterminé. Vous êtes déterminé et à y aller. Vous et il me faut justement, il me faut une légitimité pour pouvoir parler de, ce que je, de, de tout ce que je dis, de tout ce que je dénonce. Parce qu'en disant clairement les choses des vols, des détournements de fonds, en mmh. tant que michael Lecq, ça n'a pas grand, ça n'a pas vraiment de valeur. On, on verra en tout cas si vous serez effectivement candidat aux législatives cette fois-ci. Merci d'être venu, Mickaël, ce soir sur merci. ATV. Godot. Merci encore. Bonne soirée sur ATV. Bon week-end. À lundi.